Au beau milieu de la mer Méditerranée, la position stratégique de Malte saute aux yeux entre l'Europe et l'Afrique. Malte compose un archipel de 5 îles, dont 3 seulement sont habitées. Le calcaire est le principal ingrédient d'un rocher sur lequel s'empilent les couches de sédiments marins. Mais jamais l'altitude n'excède 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'archipel attise les convoitises depuis des temps immémoriaux. Son aspect a été modifié par l'homme. Ainsi, les parcelles en terrasse préservent le peu de terre arable. L'absence de relief et de forêt met en valeur une végétation accrochée à la vie, bien adaptée à un environnement où l'eau est rare. Plusieurs espèces de reptiles illustrent une faune dominée en nombre par les oiseaux. Les premières traces de présence humaine remontent à plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. À moins de 100 km de la Sicile, Malte est annexée par les Romains, qui la confisquent aux Carthaginois. À la chute de Rome, Malte devient byzantine. Ensuite, la culture arabe l'imprègne pendant 2 siècles. Plus tard, l'île de Malte est offerte par Charles Quint aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Au service des croisés engagés en Terre Sainte, les chevaliers hospitaliers prodiguaient leurs soins. L'ordre de Malte voit le jour au XVIe siècle et oppose une résistance héroïque à la menace des Ottomans. L'île convoitée par les Turcs ne cède pas, malgré 4 mois de siège. Finalement, les chevaliers de Malte sont chassés de l'île par Bonaparte. Puis, ce sont les Anglais qui subissent un nouveau siège. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques résistent aux attaques frontales de l'Allemagne et de son allié italien. À la fin de la guerre, l'île obtient de l'Angleterre un statut spécial. L'indépendance est acquise en 1964, 10 ans avant la proclamation de la République. En 1990, Malte introduit une première demande d'adhésion à l'Union européenne. Mais il faut attendre 2004 pour que la démarche aboutisse, 40 ans après l'indépendance. La densité de la population est une des plus élevées au monde en raison de l'exiguïté du pays. Elle est 10 fois supérieure à celle de la France. Les hommes sont moins nombreux que les femmes. 90% des Maltais vivent en milieu urbain. Plusieurs cultures ont laissé des empreintes multiples sur l'île. Les goûteuses pâtisseries locales en sont un exemple. La religion catholique rassemble la société maltaise dans les festis, les fêtes patronales. L'identité nationale repose aussi sur la pratique d'une langue originale, le malti. Malte est un des rares pays au monde parfaitement bilingue. À tout âge, les Maltais parlent anglais, langue officielle depuis le 19e siècle, mais aussi le malti, une langue très complexe à l'écrit et à l'oral. Le malti n'est officiel que depuis 1934 et ses origines sont bien identifiées. Oliver Frigiri, professeur de malti. La langue maltaise vient de l'arabe. Elle remonte à l'arrivée des Arabes à Malte. C'est une langue à part entière. C'est la langue nationale. L'anglais est aussi une langue officielle. Le malti n'est parlé que par les Maltais, à Malte et à l'étranger, notamment au Canada, en Australie, en Angleterre et dans beaucoup de pays. Avec sa propre langue comme ciment, Malte s'est construite grâce à une pierre calcaire, blonde et tendre, la globigérine. Selon l'exposition au soleil, la roche adopte des couleurs nuancées. Elle durcit au contact de l'air, mais elle tolère remarquablement la taille et la sculpture. La globigérine est omniprésente sur l'île pour la créativité qu'elle autorise. C'est une pierre aux usages multiples, du plus pratique au surnaturel. En passant par les représentations réalistes de silhouettes qui ne laissent pas de marbre. La pierre, sous toutes ses formes et avec toutes les audaces, fait partie intégrante de la culture maltaise. Pour travailler la terre, il a fallu extraire les pierres et les entasser en murets protecteurs. Aux endroits les plus inattendus,
la Vierge apporte une protection supplémentaire, car la religion, elle aussi, est omniprésente. On dit qu'il y a autant d'églises à Malte que de jours dans l'année. La pratique de la religion est considérée comme une des plus fortes d'Europe. Plusieurs ordres se sont installés à Malte et la ferveur religieuse anime des lieux imprévisibles. Dans les cafés, d'un côté, la télévision trône en bonne place et de l'autre, la Vierge Marie donne sa caution au divertissement des consommateurs. La pêche reste artisanale sur l'archipel et les prises ne couvrent que la moitié de la demande locale. Obligés de se déplacer pour trouver leur nourriture, les troupeaux doivent partager les terres avec l'agriculture. Le manque d'espace entrave aussi le développement du vignoble. Les propriétaires doivent importer du raisin pour maintenir leur production de vin. L'agriculture valorise 40% des terres, mais n'assure que 20% des besoins d'un pays naturellement orienté vers la mer. La pierre calcaire est pratiquement la seule richesse naturelle de l'archipel. On l'exploite depuis l'Antiquité. Autre secteur porteur, la flotte marchande occupe le premier rang européen et le quatrième mondial pour le tonnage. Les pavillons de complaisance sont en voie de diminution depuis l'adhésion à l'Union européenne. Toute l'activité de l'île est tributaire de l'alimentation en eau douce et donc de la désalinisation de l'eau de mer. La construction emploie près de 7% de la population active. Les grandes réalisations du génie civil visent à l'amélioration des communications intérieures. Elles permettent aussi le développement constant du secteur touristique. Des investissements absolument fondamentaux, car le tourisme multiplie chaque année la population de l'île par 3 et assure 35% du produit intérieur brut. Une réelle opportunité pour Malte de resserrer les liens avec l'extérieur. L'île principale, l'île de Malte, ne mesure pas 30 km de long. Elle représente pourtant 80% du territoire national. Deux rades naturelles protègent La Valette, la capitale, classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. La ville a été créée de toutes pièces au XVIe siècle, selon des critères urbanistiques très rigoureux. Pour entraîner la formation de courants d'air frais, on a prévu des rues rectilignes, orientées vers la mer. Un avantage dans une cité surchauffée en été. Pour éviter que les chantiers ne s'éternisent, les bâtiments suivaient un alignement très simple. Malgré de nombreuses influences, la ville y a trouvé son équilibre. Le fort Saint-Elme rappelle la vocation défensive de La Valette, édifiée pour contrer les attaques des Turcs. Des attaques qui ne se produiront plus, car un an après l'achèvement des murailles, la marine ottomane sera détruite. Face à La Valette, les trois cités occupent trois péninsules parallèles qui offrent un mouillage idéal. En effet, Grand Harbour est un des ports les plus profonds au monde. Il peut accueillir des bateaux de fort tonnage, un avantage que les marines de guerre utilisent depuis le XVIe siècle. Lorsque la marine britannique quitta la base navale en 1979, Malte perdit l'énorme loyer que versait la couronne. Les docks militaires furent reconvertis avec succès, puisque les chantiers navals constituent la plus grosse industrie de l'île. Des trois cités, Senglea est la plus éloignée du bord de mer, donc la mieux abritée. Les chevaliers de l'ordre venaient s'y promener, mais la tour de guet prouve qu'ils ne relâchaient pas leur vigilance. Même dans la détente, il fallait avoir l'œil à tout, car ici, les murs ont des oreilles. Le fort Saint-Ange défend la cité de Vittoriosa. Les chevaliers y étaient répartis selon leur origine. Par une porte monumentale, on accède à la cité bien à l'abri d'un rempart moins haut et plus récent que celui de La Valette, mais tout aussi dissuasif. Dans les rues tranquilles de Vittoriosa, on peine à imaginer les combats du grand siège menés par les Turcs,
à l'issue duquel la cité gagna son nom. Victorieuse, Vittoriosa. Sur l'église Saint-Laurent et sur les toits de Vittoriosa, les drapeaux qui claquent au vent indiquent l'imminence d'une fête. La croix de Malte et les couleurs nationales sont hissées aux grandes occasions, comme le dimanche de Pâques. À Malte, les processions démarrent toujours en fanfare. À la grosse caisse, deux préposés, celui qui frappe et celui qui pousse. La statue de Saint-Laurent sort de l'église pour faire son tour annuel de la paroisse. Ici, la procession peut devenir un véritable spectacle sportif. Les porteurs se concentrent, les spectateurs attendent, les dernières consignes sont données, suspense, et c'est parti. Saint-Laurent escalade la côte en quelques secondes, encouragé par ses fidèles supporters en liesse. Puis, plus loin, une autre côte encore. Saint-Laurent est le grand héros du jour. Entre deux courses, il y en aura sept au total, la procession reprend son rythme traditionnel. La grosse caisse ne participe pas à la course. Mais quelle est l'origine de ces sprints ? Grégory Gaucci. Ça a commencé au début du 19e siècle, quand le premier gouverneur britannique décréta un règlement pour limiter la durée de la procession. Si les fidèles dépassaient le temps imparti, ils devaient payer une amende. C'est pourquoi s'est installée l'habitude de courir, tout simplement pour couvrir le maximum de distance en un minimum de temps. Aujourd'hui, ils font toujours la même chose, sauf que cela s'appelle désormais « Alléluia Run ». La course de l'Alléluia. À Zeebrugge, le Vendredi Saint, une autre procession que l'on croirait sortie des studios d'Hollywood remonte le temps et nous transporte en Palestine, quelques jours avant la mort du Christ. Tous les acteurs du drame, juifs et romains, sont présents. L'occupant romain s'impose par la force et le gouverneur Ponce Pilate semble bien sûr de lui. Les chevaux, eux, hésitent. Mais il faut aller de l'avant. La passion de Jésus-Christ est ensuite racontée en tableaux successifs, tous plus ou moins réalistes. Le jardin des Oliviers a été reconstitué en miniature. C'est là que le Christ passa en prière sa dernière nuit de liberté. Le soir, le cortège se poursuit. Les pénitents expient leurs fautes. Dans leur foulée arrive Saint Jean-Baptiste, avant et après sa décapitation. Les visages graves précèdent la dépouille mortelle du Christ exposée à la foule. Au sud de la Valette, Marsaschlock est le plus grand port de pêche du pays. La pêche se déroule de manière traditionnelle à bord des loutzous, des embarcations colorées sur lesquelles on peint des yeux pour conjurer le mauvais sort. Et le résultat est là, au marché qui se tient le long du port. Mais à Malte, ce sont néanmoins les poissons d'élevage qui permettent à ce secteur la rentabilité. Sur la côte, au sud-ouest, les falaises calcaires résistent difficilement devant l'offensive de la mer
qui les taraude chaque jour davantage. La grotte bleue s'enfonce dans la roche sur 40 mètres. Le matin, lorsque le soleil y pénètre et que l'eau est calme, les fonds révèlent leur beauté. On a peu de certitudes à propos du temple de Hajar-im, un ensemble mégalithique élevé au cours des 4e et 3e millénaires avant notre ère. On ignore quel peuple l'a conçu et quelles techniques furent utilisées. En considérant la taille des blocs de pierre, on imagine qu'une importante main-d'œuvre a été mobilisée. Et à l'époque, aucun outil métallique n'était disponible pour tailler la roche. Ses décors naturels et les atouts du climat méditerranéen ont fait de Malte un site privilégié pour le cinéma mondial. Dans Angkor Bay, on a reconstitué le village de Popeye pour tourner en trois dimensions un film basé sur les célèbres dessins animés. Depuis, les longs métrages s'enchaînent et les vedettes du 7e art défilent. Les tours, comme celle de Sainte-Agathe, n'ont rien d'un décor de carton-pâte. Au XVIIe siècle, elles communiquaient entre elles par des feux, ce qui a peut-être favorisé la tradition des feux d'artifice. À Zeebrugge, les préparatifs vont bon train. Pendant des mois, des associations de passionnés préparent le feu d'artifice qui sera tiré à l'occasion de la festa. C'est une vieille tradition. Elle a été apportée à Malte par les chevaliers, notamment les Espagnols et les Italiens. Les Maltais ont perpétué la coutume. Les conditions sont idéales. Temps sec, vent modéré, nuit d'encre. C'est parti! Le spectacle peut durer des heures. Dans Zeebrugge, noir de monde, les fusées sont montées sur des structures métalliques bien complexes. Résultat, détonnant. Les feux se démultiplient. La foule s'enflamme. Le public en redemande. Alors, le feu d'artifice s'emballe, projetant devant l'église Saint-Philippe les éclats lumineux de la festa. À l'extrémité nord de Malte, sur la presqu'île de Marfa, les ferries appareillent régulièrement pour rallier l'île de Gozo. Le feuilleté calcaire de Gozo est tranché net par les vagues. Une fois passé le rocher champignon, la mer a dessiné une fenêtre azur, grande ouverte sur le large. Par endroits, l'eau sape les falaises à la base. Elle s'introduit alors au plus profond du calcaire en le perçant de part en part. Thank you.
Le long de la côte nord, une plateforme naturelle porte des salines sur près de 2 km. Les bassins d'Aïn Barani ont été taillés dans le calcaire pour retenir l'eau de mer. Une mosaïque de petits plans d'eau permet ici l'exploitation du sel depuis l'époque romaine. L'homme n'altère pas toujours la nature. Parfois, il la transfigure et lui permet de donner le meilleur d'elle-même. Plus à l'est, la baie de Ramla est associée à l'histoire d'Ulysse. Le héros grec y aurait échoué avant de tomber sous le charme de la nymphe Calypso. Ulysse finira par reprendre la mer après avoir passé ici 7 années prisonnier de son amour. À l'intérieur des terres, la puissance du vent permettait jadis de faire tourner les ailes du moulin Takola. En revanche, on ignore pourquoi le temple de Giantia se trouve à cet endroit. Il remonte au 4e millénaire. Dans la catégorie des édifices mégalithiques, c'est un des plus anciens au monde. Il est antérieur aux pyramides d'Égypte. Les trous dans les murs supportaient des pieux de bois interdisant l'accès de certaines salles. L'histoire de Gozo est indissociable de celle de Malte. Et la ferveur religieuse que l'on rencontre dans les festies maltaises est la même sur les deux îles. À Pieta, près de la Valette, la Festa est dédiée à la Vierge Marie. La fête a lieu début juin. Pour les habitants du quartier, c'est une tradition à ne pas manquer. Mais les traditions évoluent. La procession et la statue font le tour de la localité. Tambours et trompettes. Et bien sûr, feux d'artifice. Pour Marie, aujourd'hui, c'est l'heure de gloire. Un jour faste, sans risque de débordement, car le clergé veille. La grosse caisse passe partout. La fanfare donne le rythme. Un dernier effort, et pour la statue, ce sera bientôt l'embrasement général. Et la fête se termine, comme toujours à Malte, en apothéose pyrotechnique. Quand la Vierge s'en retourne, la nuit étoilée éclaire toujours l'île. La fête est passée, mais la roche émerge encore. Contre l'érosion de la mémoire, Malte a façonné son histoire. Une histoire de rocs.